Alors, donc, comme je l'ai dit, nous allons démarrer aujourd'hui. Nous allons démarrer déjà. Bon, et comme je l'ai notifié hier, nous allons démarrer avec les questions. Si vous avez déjà pratiqué un peu ce qu'on a fait avant-hier et vous avez des préoccupations, vous pouvez déjà les poser. Et je vais aborder ça avant qu'on ne démarre la séance aujourd'hui. Donc, on va prendre 5 à 10 minutes pour prendre des questions, donner des réponses. Si éventuellement il y en a, on va pas encore continuer. Alors, donc, vous avez la parole pour les questions. Bon, là, je suppose qu'il n'y a pas de questions. C'est ça peut aller. Oui, ça semble aller. Si, si. Oui, allez-y. Voilà. Oui, ça va comment vous allez? Oui, ça va bien chez vous. Ça va très bien. Super. En fait, y a un souci par rapport au questionnaire d'application que vous aviez envoyé hier, avant-hier. Oui. J'ai essayé d'appliquer, mais les questions, il n'y a pas de problème. Mais c'est comment faire l'entête, l'encadrage là, Non, non, le non. cadre. Non, les cadrans, c'est pas obligatoire, c'est juste le contenu, c'est tout. Voilà, donc voilà, c'était ça mon inquiétude vraiment, pour comment D'accord. faire l'entête là avec le cadre là, c'était un peu difficile pour moi. Non, les cadrans ne sont pas importants. D'accord. Oui, Madame Hélène, vous avez une question? Oui, monsieur Bruno, allez-y. Ok, merci beaucoup. Pour ma part, j'ai essayé aussi d'appliquer. La question que je voudrais poser, c'est par rapport dans le questionnaire, au niveau de la qualité de la prestation, Oui. là, je l'ai fait, je vois par rapport aux modalités, très satisfait, satisfait, pas du tout satisfait. Il y a pourquoi? Alors, je me suis demandé. Et la question du pourquoi est-ce qu'il faut mettre ça à la fin, c'est-à-dire en bas de après avoir mis toutes les modalités. Donc là, je suis pas parvenu à décanter cette question-là, quoi. Oui, le pourquoi, il faut le mettre à la fin du tableau. Parce que là, la nature que ça nous donne, on n'a pas un type de question comme ça dans Kobo. C'est vrai qu'il y a une des questions qui est là où ça veut dire matrice, un truc du genre. Mais ça ne, c'est pas très fonctionnel sur Kobo. Ça n'a pas une bonne structure pour pouvoir collecter les données. Donc, le mieux, c'est de le mettre à la fin. C'est-à-dire, vous le mettez, bon, quoi. Si par exemple, c'est trois produits, vous le mettez trois fois. C'est-à-dire pour chaque produit, la personne doit dire le pourquoi. Ok. D'accord, c'est compris. Merci beaucoup. Ok, vous en prie. Oui, monsieur Didier. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Oui, bonsoir. Moi, j'ai quelques préoccupations au niveau des questionnaires, des questions au niveau du Q5 et Q8A. Voilà. En fait, les questions là où il y a les. On va choisir par exemple pour tout ça là, nous avons des difficultés à vraiment terminer les passer. Ok, là il faut choisir autre ou bien. Oui, par exemple, je prends par exemple Q5, Q6, Q8A et Q10A. Oui, vous allez voir, je partage mon écran rapidement. Vous allez voir, hier j'ai abordé une partie comme ça. Bon, disons deux parties comme ça que j'ai montré. Je vous montre ça rapidement. Vous montre ça rapidement. Rapidement. Bien sûr que mon écran est visible. Oui, c'est visible. Ok. Vous voyez ici la question là où j'ai mis. Chez moi, je n'arrive pas à voir. Mais je n'ai pas l'écran. Ok. Bon, peut-être attendez un peu que ça marche. Si ça ne marche toujours pas, vous allez peut-être vous sortir de la réunion et revenir encore. Sinon, je crois que c'est visible. Ça doit être visible pour tout le monde.
Bon, c'est pas assez visible chez moi en ce moment. Oui, donc, si ça ne vient pas toujours, vous pouvez vous déconnecter et vous reconnecter encore. D'accord. Ok, donc, comme je le disais, vous voyez ici, il y a mes choix de culture. Il y a maïs, mil, autre. Mais quand j'ai tout juste en bas, j'ai bien mis une question précisée autre. Mais là, comment lier les deux? Il faut que je fasse de telle sorte Justement. que. Il faut que je fasse de telle sorte que quand quelqu'un va choisir Iam, que ça lui montre pas la question précisée autre. Ça sera quand la personne va choisir autre que la question autre va apparaître. Comment OK. cela se fait? Vous venez dans la question précisée autre. Vous allez dans ces paramètres ici. Vous venez dans critères de passage. Vous voyez ici. Ici, on dit cette question s'affichera uniquement si les conditions suivantes s'appliquent. On vient ici, on choisit la question et la question là. Là où il y a la modalité autre. C'est bien, choix de culture. Je choisis ça. Je viens ici. Je prends IAIN, maïs, mil, je prends autre. Ce qui voudra dire quoi? C'est quand la question sera égale à autre que la question là va. C'est quand la question choix de culture sera autre que la question précisée autre va apparaître. Donc c'est comme ça que vous allez faire pour toutes les questions où il y a précisé autre. D'accord. Ça peut aller. Merci. Merci, Lisa. Ok, oui, monsieur Herman, allez-y. OK, merci beaucoup. Bonsoir, chers tous. Moi, je voudrais revenir un peu sur la question que mon ami avait posée par rapport au tableau. Là où il y a pourquoi? Très satisfait, satisfait, pas satisfait et pas du tout satisfait. Et si je voudrais que chaque participant qui aurait choisi pas du tout satisfait justifie. Est-ce que je peux lier par rapport aux thématiques? Par exemple, si je prends du temps d'attente, est-ce qu'il y a la condition peut lier et la thématique par rapport à la justification? Ok, je comprends. Ok, je comprends bien votre préoccupation. C'est chiant, c'est vu qu'il y a excellent, moyen, satisfait, très satisfait, pas du tout satisfait. C'est quand la personne va choisir pas du tout satisfait. Exactement ça, il faut que la personne justifie le pourquoi. C'est bien ça. Oui, s'ils ne sont pas satisfaits concernant le temps d'attente, par exemple. Donc, il doit justifier. Mais si au niveau du temps d'attente, il est très satisfait, le champ et justification ne va pas s'afficher, quoi. Ok, je comprends. En fait, ici, il faut retenir que la question là, c'est où je vais vous montrer ça rapidement. Voilà. Vous voyez, ici, là, on a très bien et très bon, bon, moyen, pas bon. Bon, je prends un exemple très simple. Je viens ici. J'ajoute ici, faire question de type thèse. Voilà. Je viens ici. Passage. Vous voyez, par exemple, vous avez dit quoi? C'est par exemple, c'est le temps d'attente, c'est bien ça. Vous êtes là, monsieur Eman, vous me suivez? Allô? Oui, je suis là. Ok. Je disais, vous voyez ce que j'ai fait? J'ai choisi par exemple une question ici. Je peux mettre pourquoi? Ça peut aller. Éteignez vos micros, s'il vous plaît. Donc, j'ai choisi pourquoi. Maintenant, supposons que ici,
Le temps d'attente là, c'est ça qui est ici, par exemple. Donc, par exemple, ici, temps d'attente. Et quand la personne va choisir pas bon, ça va lui amener la question pourquoi. C'est le pourquoi là ici. Donc, on fait la même chose. On vient dans les paramètres. Critères de passage. On choisit la question où il y a le temps d'attente avec les différents critères. On vient ici. Vous voyez ici, temps d'attente. Je suis content, temps d'attente. Égale la valeur. On dit ici, pas bon. Vous voyez ce qui est ici, là, là. Pas bon. On va voir ce qui est juste en bas. Ce qui est en minuscule, là, là. Genre, c'est le name, ça. Le pas bon qui est en haut, c'est ce qui va apparaître à l'écran. Mais le pas bon qui est en bas, c'est ce que le système va enregistrer. C'est ça qu'on va mettre ici. Donc, je mets le pas bon. Ce qui veut dire quoi? Donc, si la personne, le temps d'attente sur l'égal n'est pas bon, le pourquoi va apparaître? Ça peut aller? Monsieur Herman, c'est bon? Oui, ça peut remettre. D'accord, merci. Oui, mais là, pour Madame Hélène, elle demande à ce que je revienne brièvement sur le QR code. C'est-à-dire que vous OK. En fait, ici, le QR code, ici, vous voyez, parfois, il y a des QR codes. Bon, on fait les enquêtes et puis, bon, on veut plusieurs informations. Mais là, au lieu de tout saisir, on préfère scanner le QR code. Donc, il suffit simplement de venir ici. Voilà, ici, use a camera to scan a barcode. Donc, on vient là simplement, c'est quoi? Quand on vient là, soit il y a des smartphones qui ont un logiciel ou bien une application de scannage de QR code. Ou bien même ça se trouve dans les paramètres. Là où il y a souvent les Bluetooth, les connexions. Mais pour d'autres téléphones, il n'y en a pas. Donc, mais si votre formulaire contient une question de QR code, que votre téléphone n'a pas une application de lecture de QR code, vous devez télécharger une application sur Play Store qui lit les QR codes. Donc, si vous téléchargez l'application, vous installez, si vous allez dans votre formulaire, vous lancez la question QR code, le système ira ouvrir, va chercher dans votre téléphone s'il y a une application de lecture de QR code. Et donc, va ouvrir l'application pour lire le QR code que vous voulez lire et prendre les informations directement dans votre formulaire. Donc voilà un peu ce que j'avais dit par rapport au QR code. Mais il y a une autre manière aussi d'utiliser le QR code ici, c'est pour le paramétrage de l'application que vous collectez, qu'on va voir probablement le samedi. Madame Hélène, ça peut aller? D'accord, je pense que ça peut aller. Donc, pour aujourd'hui, nous allons démarrer avec la sélection en cascade. Ok, c'est bon. On va démarrer avec la sélection en cascade. Comme il avait dit hier, la sélection en cascade se fait en deux volets. Premier volet, nous allons concevoir le fichier dans Excel pour la sélection en cascade. Et dans un second temps, nous allons le copier et coller dans la plateforme que vous collectez. Alors, donc, je vais dans le fichier Excel pour montrer ce qui a été fait par rapport au QR code. Donc, bon, chez nous ici au Bénin, en termes de division administrative, nous avons en premier lieu le département. Et nous avons ici environ 12 départements. Donc, et nous avons environ 12 départements. Maintenant, lors de l'enquête, on demande à l'enquêteur de choisir le département de l'enquêté. Mais quand il va choisir, on a ici 77 communes. Au lieu que ça nous affiche toutes les 77 communes, c'est que la personne sera obligée de défiler pour choisir la commune qu'il faut. La question 4K nous sort uniquement les communes qui sont dans le département qui ont été choisies. Maintenant, quand la personne choisit maintenant sa commune,
Nous, on a environ jusqu'à environ 523 arrondissements. Bon, je ne sais pas, en moyenne. Donc, il faut que ça nous affiche uniquement les arrondissements qui sont dans la commune. Et quand l'individu va choisir l'arrondissement, il faut que ça lui, là, nous affiche uniquement les villages et quartiers de ville qui sont dans cet arrondissement. Voilà ce qu'on appelle sélection en cascade. Alors, pour concevoir le fichier, comment vous allez faire? Je suppose que vous êtes chez vous, vous voulez concevoir ça. La première ligne, elle est obligatoire. Et telle que c'est écrit, vous devez écrire ça comme ça. La première ligne, c'est la première chose que vous devez saisir d'abord. List name, name, label. Les trois. La colonne ABC. Vous mettez le list name tel que c'est écrit là. Vous voyez ici, tel que c'est écrit. En minuscule, avec base de 8. Le name et le label. Tout minuscule, tel que c'est écrit, pas de modification. Vous mettez la bonne lettre en majuscule, ça ne prendra pas. Maintenant, ne regardez pas d'abord les colonnes qui sont ici. Travaillez avec les trois colonnes là d'abord. A, B, C. Maintenant, une fois la première ligne créée, list name, name, label, vous venez ici au niveau de label. Vous mettez les départements. Pour d'autres, les provinces. Ah, bon, le niveau le plus haut, c'est ça, voilà. Vous mettez le niveau le plus haut ici. En majuscule tel que c'est là, bon, tel que vous voulez. C'est ça qui va afficher, qui sera visible à l'écran de l'utilisateur. Maintenant, le name, c'est ce que le système va garder dans la base de données. Et de préférence, le name doit être toujours en minuscule, pas d'accent. Pas de tiret, et pas de, et, moi, de tiret. C'est-à-dire tiret de 6, non. Pas d'accent, pas de virgule, pas de tiret de 8, pas d'apostrophe. Vous allez voir ici. Vous voyez ici, maintenant, par exemple, Abomey-Calavi. Normalement, c'est tiret de 6 qui compte même. On l'enlève, on met une barre de 8. Soava, c'est pareil. Je vous montre un autre exemple. Ici, par exemple, ici. Normalement, ici, c'est Ndali. Normalement, c'est comme ça, avec un apostrophe. Mais quand on met un apostrophe, ça ne prendra pas. Le système ne va pas reconnaître Ndali. Donc, je mets tranquillement, j'enlève le même Ndali. Vous voyez ici, Ndali avec accent, avec apostrophe. Ça, c'est ce qui va, la colonne C, le label. C'est ce que l'utilisateur va voir à l'écran. Ça, il n'y a pas de problème. On peut l'écrire de plusieurs manières. Ça ne refuse pas. Vous voyez ici, Soava. Bomassé, il y a accent. Kalalé, il y a accent. Ndali, il y a accent. Mais ici, les accents ont été enlevés. Kalalé, il n'y a pas accent. Ndali, il y a... Donc, c'est comme ça que vous devez écrire les mots. Au niveau de name. Le label prend tout. Le name ne prend pas tout. C'est minuscule. Et seuls les tirets de 8 sont autorisés. Mais le list name. Le list name, c'est quoi? Tout ce qu'on a mis ici, tout ce que vous avez mis ici là, représente quoi? Ça représente un département chez nous. Chez vous aussi, le niveau le plus haut, c'est province. C'est-à-dire que vous venez dans la liste name, vous mettez province tout ici. C'est pour dire quoi? Que de la deuxième ligne à la treizième ligne, c'est les provinces qu'on a, c'est les départements qu'on a. Ça, c'est le premier niveau. Si vous suivez les étapes que je donne maintenant, si vous finissez de faire ça, votre session 4 va bien marcher. Mais si vous voulez sauter les étapes, là, vous aurez des difficultés. Ça, c'est le premier niveau d'abord, en suivant les trois colonnes A, B, C. Si ceci est fait, vous venez maintenant à partir de la dernière, le dernier département ou la dernière province, vous venez en bas de ça. C'est un travail préalable que vous allez faire ailleurs d'abord. Vous voyez, vous lisez ici les départements, les communes qui sont dans chaque département. Les premières communes qui sont là, je prends par exemple les cinq premières communes ici, les six premières communes là, ce sont les communes du département de l'Alibori. Ça dit quoi? Vous mettez ici les départements de l'Alibori et les communes qui sont dans l'Alibori, vous les lisez d'abord, puis par la suite. Vous mettez les communes qui sont dans l'Atakora. Puis par la suite, les communes qui sont dans l'Atlantique. Ainsi de suite, jusqu'à finir les communes qui sont dans Zou, qui seront
les dernières communes aussi, comme le département est en dernière position. Donc c'est ça que j'ai fait ici. Vous voyez, ici on a les communes de la Libourie. Après, c'est Atakora qui suit. Les communes de l'Atakora viennent jusqu'ici. Après ça, il y a Atlantique qui suit. Les communes de l'Atlantique. Vous voyez? Donc ceci, jusqu'à finir toutes les communes. Mais à ce fait, les communes ici, ça c'est ce qui sera visible sur l'écran de l'utilisateur. Vous venez maintenant dans Name, à partir de là, des communes. Vous ramenez les mêmes noms qui sont dans la colonne C, dans la colonne B, mais en minuscule et sans accent, sans apostrophe, sans virgule, sans tiret de 6. Mais plutôt, les tirets de 6 sont remplacés par les tirets de 8. Les accents, vous les enlevez. Les virgules, vous les enlevez. Mais dès que vous avez fini de mettre ça, vous mettez maintenant ici. Tout ça représente quoi? Les communes. Et vous mettez commune, commune, vous répétez commune. Juste, car là où les communes s'arrêtent. Vous voyez, les communes s'arrêtent là. Et même les communes aussi, là aussi c'est minuscule. Les communes sont minuscules. Alors, le département, tout est minuscule. Là, on a fini avec les deux premières colonnes, les trois premières colonnes. Maintenant, on veut quoi? Si l'utilisateur choisit la Libourie, on veut que ça nous affiche les communes qui sont dans la Libourie, ces cinq communes-là. Alors, le système veut que le name qui est ici, nous allons copier ça. On copie la Libourie qui est ici. On vient, la colonne D ici. On ajoute là, on écrit là département. Et c'est le département qu'on a écrit ici. Le département qui est ici là. Que vous voyez ici. Le département qui est ici, que j'ai mis en jaune. Tout ceci, c'est ça, vous copiez exactement. Vous allez venir coller ici. Vous voyez, les deux ici doivent être la même chose, même écriture. Maintenant, vous venez ici. Les communes ont commencé à partir d'où? À partir d'ici. Donc, vous mettez ici Alibori, 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 et vous vous arrêtez là où ces communes s'arrêtent. Les communes de l'Alibori s'arrêtent à Sigbana. Alibori s'arrête là. Maintenant, maintenant commence les communes de l'Atakura. Je copie encore Atakura qui est ici. Je vais le mettre ici et je vais incrémenter jusqu'à là où ces communes s'arrêtent. Ici. Je viens maintenant dans Atlantique. Je copie Atlantique qui est ici. Je le colle ici et je l'incrémente jusqu'où là où ces communes s'arrêtent. Et ceci pour toutes les communes. Vous allez voir. Vous voyez ici. C'est là où on s'est arrêté. Zou, qui est le dernier département. Ceci sert pour dire quoi? Quand la personne va choisir Alibori, le système va garder le name. Je vous ai dit que le système enregistre le name. Quand je choisis Alibori, le système enregistre le name. Alors, le système va venir donc dans la colonne D. Où sont les communes qui ont Alibori devant leur nom? Et il va filtrer, il va prendre ces cinq-là. Donc, il va vous afficher à l'écran uniquement ceux-là. Et vous allez choisir la commune. Si vous choisissez Atakura, le système va venir ici. Atakura, Atakura, Atakura. Il va filtrer, il va vous sortir uniquement ces communes-là à l'écran. Vous allez choisir encore la commune. Voilà comment ça marche jusqu'au niveau commune. Dès que vous faites la commune, vous venez au niveau de l'arrondissement. Voilà, la commune s'arrête là. On vient ici. On répète la même chose. Vous venez, revenez derrière. Commune. On a la commune de Banikwara qui est la première commune. La commune de Banikwara qui est la première commune. Donc là-bas, je vais lister tous les arrondissements de Banikwara, l'une après l'autre. Quand il va finir, la ligne qui va suivre, je prends les arrondissements de la commune qui suit, Gogourou. Quand il a fini ça, je prends les arrondissements de Kandi. Quand il a fini, les arrondissements de Karimama.
jusqu'à finir tout Atakora allégorie et je rentre dans Atakora aussi. Fais la même chose. Je prends tous les arrondissements de Bukumbe, la même colonne, tous les arrondissements de Kobli, tous les arrondissements de Kéou, Kwande, Materi, jusqu'à finir pour tout. Vous voyez, c'est ça qu'il fait ici. Et c'est un travail ici, et les divisions sont très, très nombreuses, un travail qui prend énormément de temps. Ce fichier que j'ai construit, ça m'a pris banalement un mois. Bon, c'est pas le seul travail, ça m'a pris un mois pour concevoir le fichier. Donc vous verrez ici, vous voyez, à partir d'ici, ça c'est les arrondissements de Bani Kwarasa, de là à ici. Ça s'arrête là. Ouais, donc vous faites la même chose pour la colonne C. Dès que vous allez finir, vous revenez dans la colonne B, le D. Vous mettez la même chose exactement que la colonne C, mais faites partie en minuscule et sans accent. Pas de virgule, pas de parenthèse, rien. Seulement les tirets de 8 sont autorisés. Puis en dernier lieu, vous venez maintenant dans la colonne A. Étant donné que tout ça, c'est arrondissement, vous mettez arrondissement, vous incrémentez pour tout. Là, les arrondissements s'arrêtent. Ça, c'est bon. Maintenant, vu qu'on a fini avec ça, quand la personne va choisir Alibori, et ça va prendre Bani Kwara, comme commune, il faut que ça déjà les affiche uniquement les arrondissements qui sont dans la commune. Donc, vous copiez cette commune-là, Bani Kwara qui est là. Vous venez là, les arrondissements de Bani Kwara. Vous venez aux arrondissements, La colonne qui suit. C'est pas la colonne de département, non. C'est la colonne de commune. Donc, commune qui est ici, on copie ça. On vient, on colle ça ici. Ça peut aller. Et on vient maintenant, on laisse toutes ces cases vides-là. Donc, comme je le disais, on laisse ce cas vide-là. On vient là où l'arrondissement commence dans la colonne A. L'arrondissement commence où? Ici. Donc, on vient dans la colonne où il y a commune ici. Colonne 1. On met Bani Kwara, Bani Kwara, Bani Kwara. Et on s'arrête là où les communes de Bani Kwara se sont arrêtées. Les communes de Bani Kwara se sont arrêtées. C'est ici. Là commencent les arrondissements de Gogounou. On le fait. On s'arrête là où Gogounou. Ça s'arrête là. Donc, vous faites la même chose pour tout. Jusqu'à fini ici maintenant, la dernière commune qui est au bout de main. Et votre fichier, gestion en cascade, est terminé. Maintenant, comment l'amener dans Kobo Colette? Il suffit de venir ici, sélectionner tout ici. S'il y avait encore village, j'allais venir ajouter ici arrondissement. La colonne F, je mets arrondissement ici. Et je viens maintenant à partir de... La dernière à partir d'ici. Et je liste maintenant ici les villages. Et je mets les names ici. Et je mets ici village, 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 village pour tout. Et pour cette colonne maintenant, j'amène arrondissement là. Vous voyez. Maintenant, comment donc l'amener dans Kobo Colette? Vous sélectionnez tout de liste name à commune. Ça mène jusqu'en bas. On copie. On vient dans Kobo Colette. On vient, comme il y a, je vous l'avais montré au début ici, ce qui est sous forme de arbre généalogique façon là. Insérer, sélection en cascade. Je clique là. Ça veut dire quoi? Coller votre table formatée dans Excel, dans la zone ci-dessous. Je colle ça là. Et dès que vous collez, ne modifiez plus rien dedans. Très simplement, terminer. Et vous venez en bas. Un instant, ça prend un coup. Voilà. Ça, vous en fait, vous voyez ici déjà, quand on vient en bas, département, ça a tout mis. Arrondissement et commune, tout est là. Mais donc, je peux réduire ça ici, comme je vous l'avais montré. Réduire les questions. Et j'ai mon département, j'ai la commune, et j'ai l'arrondissement. Essayez donc de tester, voir.
Un instant, ça a un petit souci. On dit, there has been problem trying to replace dollar underline with. Underline, ou. Soledad. Alors, lors de la génération de l'aperçu. Underline, je vais voir si j'ai pas ajouté quelque chose quelque part. Non, les couleurs ne vont pas, ne vont rien impacter. Underline, j'ai ajouté quelque chose quelque part. Le name, instant, Ndali, j'avais changé Ndali, j'ai ramené Niki. Alors là, je viens de voir si liste name est là, le name, niveau département, commune, voilà. Les communes sont là, oui. Mais jusqu'en bas, tout est bon. Là, où est le problème? Exactement, jusque-là. Alors, c'est pas. Quel est le souci? Alors, je reviens. Je vais supprimer celui-là d'abord. Je le supprime et je refais la copie. Ceci en cascade. Copier. Bon, si vous voulez, vous pouvez venir ici hein, pour avoir quelques informations sur la sélection en cascade. Vous voyez ici, le point d'intégration qui est là. Si vous avez des informations, vous venez là. Et ça va vous donner des informations, vous voyez, les exemples de sélection en cascade. Donc, pour ceux qui veulent plus d'informations, vous pouvez cliquer là. Pardon, je copie, je fais terminer. J'attends le temps que ça charge. Et je vais visualiser à nouveau. La connexion, ça qui me fait. C'est la connexion, ça c'est quoi? Pas trop bon. Bon, la connexion, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait ça? La connexion n'est pas assez bonne. Maintenant, je vais voir la connexion. Alors, donc, je vais refaire la sauvegarde. Voilà, donc c'est bon. Je visualise. Ça a dit, mais pour l'instant, je le fais. Voilà, on est là. Je sauve et on est là. On est là. On est fine. Je sauve et on est là. On est fine. On est fine. Un instant, je vais voir rapidement. Oui, monsieur Romero, allez-y. Oui, monsieur Apoun,
Je pense que c'est tel que vous l'avez expliqué au niveau de certains caractères. J'ai vu, par exemple, au niveau de matériel, un accent. Donc, c'est, il y a quelques, peut-être, il faut essayer de voir. On va faire ce réajustement-là. Ok, d'accord. Essayer de voir matériel. Est-ce que c'est ça? Je reviens ici. Comme si je l'avais vu aussi. C'est là, c'est là. Mathilde, juste en bas de point D. Juste en bas de point D. Ok, oui, matériel. Ok. Effectivement, il y avait un accent quelque part. Ah, je mets matériel. Bon, je pense que c'est bon maintenant. Voyons ici, sélection, tout est là. C'est bien là. Ici. C'est là. Voilà, je vais copier une copie alors. Copier. Je reviens ici sur la plateforme rapidement. Alors, essayons de supprimer encore la question. On refait la sélection en cascade. On termine. Voilà, on reprend. Problème P6. Je ne sais pas quel est le problème. Ah, ouais, en fait, la question n'était pas au niveau de notre sélection en cascade. Ouais, ça doit être ici. Je venais tout juste d'ajouter une question ici. C'est ça que j'avais ajouté une question là, juste à titre d'exemple. C'est ça qui fait ça. Je supprime cette question-là. Bon. Je pense que c'est qui me faisait ça. Voilà. C'est bon. C'est la question que je viens d'ajouter. J'avais ajouté une question quand il voulait donner une explication. Donc, quand on vient tout juste en bas, on voit. Vous voyez, on a un département. Les départements sont là, commune, arrondissement, on ne voit rien. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore coché quelque part. Prenons Alibori par exemple. Ouais. Uniquement les communes de l'Alibori s'affichent. Et quand ils vont en Banikwara, uniquement les endroits de Banikwara s'affichent. Quand ils vont en Banonville, ça change. Karim Maman, Kandi, Segbana, ainsi de suite. Quand il prend Borgou, le département change. Vous voyez, quand il prend Kalalé, ça change. S'il y avait encore le village, quand il pouvait prendre arrondissement Kalalé, les villages vont encore apparaître. Ainsi de suite. Voilà un peu comment faire la sélection en cascade. Et il faut être très très attentif à ce niveau. Donc avant qu'on le passe, à la mise en forme des couleurs et aussi des restrictions, je vais d'abord prendre les questions parce que c'est une partie très très sensible. Je devrais prendre les questions à ce niveau avant d'évoluer. Donc vous avez la parole pour les questions. Oui, monsieur Salifou, allez-y. Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour la présentation, M. Abdoul. Je vous remercie très sincèrement. Je pense que c'est de nouveau que nous sommes en train d'apprendre et ça vaut toujours la peine d'apprendre de plus. Bon, j'avais eu un souci de connexion lorsque vous étiez sur Excel en explication. Oui.
La partie où je n'ai pas saisi, c'est la partie où vous avez dit, nous avons mis les, vous avez mis les départements, les communes, les arrondissements. Donc, s'il fallait ajouter les villages, la façon dont il faut composer la disposition là, c'est la partie là que je n'ai pas saisi. D'accord. Donc, je reprends rapidement la partie. Voilà. Donc, voilà comment on a. Ouais, on a liste name, label, département, commune. Maintenant, ça, on a dit que ça, c'était fini. S'il y avait le village, et qu'on voulait aller au niveau village, vous voyez, ici, ça, c'est le label. Quand on a mis, ici, on a ramené le département ici, au niveau des communes. Pour cette colonne, on a ramené les communes ici, au niveau des villages. Ça peut dire quoi? Pour chaque question, on remonte un peu plus à la question, mais, c'est-à-dire pour les communes, il faut choisir les départements pour avoir les communes. C'est pourquoi qu'on a mis département ici. Oui. C'est au niveau des communes, on a commencé par lister les départements. Maintenant, pour les arrondissements, la question mère, c'est les communes. Donc, on vient, on met ici communes et on commence les communes au niveau des arrondissements. C'est ça, au niveau des arrondissements. Maintenant, s'il y avait les villages, la question mère des villages, c'est l'arrondissement. Donc, on vient ici. Si il y avait arrondissement, on va le mettre ici. Arrondissement. Et c'est tout arrondissement. Bon, arrondissement normalement, pour ne pas faire erreur, vous venez ici. Vous copiez l'écriture qui est ici. Parce que l'écriture doit être la même chose. Et vous le collez ici. Arrondissement. Maintenant, vous venez maintenant là où les villages commencent. Ouais, vous venez là où les villages vont commencer. Les arrondissements. Non, les villages, puisque on veut, c'est la colonne arrondissement, on veut remplir. Mm-hmm. Vous venez ici. Oh, voilà. Complètement bas. Je suppose, hein, par exemple, on avait. Donnez un exemple. Village 1. Je suppose que c'est comme ça. On avait les villages comme ça. On a jusqu'à plus de 116 villages. Là, c'est le nom des villages. Hein. C'est village dans ici, Tiaourou, Tiachou, Barerou, en tout cas, le nom des villages. On vient ici. Oui. On met maintenant village, pas de 8, 1. On revient ici. Voilà. Faites la même chose. Village, je pense qu'il nous avait. Excel voulait nous aider à faire ça de façon incrémentée. Village, pas de 8, 2. Donc, vous faites la même chose jusqu'à les 116, en minuscule. Mm-hmm. Oui. Maintenant, étant donné que tout ça c'est le village, vous venez ici maintenant. Vous mettez village, en minuscule. Que vous allez. Maintenant, incrémenter jusqu'où là où les villages se sont arrêtés. Comme ça. Donc voilà. Bon, là ici, je vois que vous avez mis les bas de 8. Hein. Ici, là, j'ai juste fait CTRL E pour le copier. Mmh. Mais c'est avec les bas. De toutes les façons, c'est les mêmes villages. Hein. C'est ça. Voilà. C'est les mêmes villages. Ouais. Aussi là, voilà. C'est ça, on répète là-bas, oui, non? Oui. Maintenant. Mais en minuscule. Ici, non? À ce niveau? Mmh. Oui. Oui. Vous mettez ici village, 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 tout. Parce que c'est, tout ça là, c'est des villages. Maintenant, vous verrez maintenant ici, la colonne F. On a mis en haut arrondissement. Maintenant, ces villages-là, ce sont les villages du premier arrondissement, de la première arrondissement, de la première commune. Du premier département. Ouais. Vous voyez? Donc, on vient ici maintenant, on met la première arrondissement qu'on avait. Si je suppose que les du village 1 jusqu'à village 6, c'est le village du premier arrondissement. Alors, je fais comme ça.
L'exemple très simple, premier arrondissement, c'est où? Je viens ici, je monte plus haut. Je prends le premier, je prends par exemple, voilà, l'arrondissement de Gomparo. C'est l'arrondissement ici. Donc c'est le name ici, on vient, on prend. Le name qui est là, je copie le name. Je viens au niveau des villages. Je colle ça ici et j'incrémente pour les 6 villages. Cela veut dire que ces 6 villages-là là, sont dans l'arrondissement de Gomparo. Donc cela veut dire que quand on va choisir l'arrondissement de Gomparo, le système va nous amener uniquement ces 6 villages-là pour dire de choisir maintenant le village. Voilà comment ça marche. Très bien, c'est bon. Super. Oui. Super. Alors, il y a autre préoccupation? Oui, monsieur Emma. Oui, merci beaucoup. Grand patron, par rapport à tout ce que vous avez eu à prouver, seulement moi, j'avais un peu de difficulté parce que nos appellations ne sont pas les mêmes. Mais bon, comme vous l'avez repris, ça m'a donné un peu de classement par rapport à votre développement. Maintenant, je voudrais savoir, okay, est-ce qu'on peut commencer par saisir un formulaire dans Congo Connect et amener après les unités d'organisation à terme de, avec, comment on appelle, ton jeu système d'insert. Est-ce que c'est possible? Ou bien on doit le faire d'abord avant de continuer à saisir les questionnaires? Si je comprends bien, vous demandez par exemple ce fichier, c'est qu'on appelle. Si vous voulez l'appliquer au niveau des systèmes d'organisation, vous demandez si vous devez d'abord saisir les questions avant de le faire ou vous pouvez le faire avant de saisir les questions, c'est bien ça? Si par exemple, j'ai commencé par saisir des questions. Oui. Est-ce que je peux faire ça et venir incrémenter? Et ça va suivre encore, ça va continuer par suivre l'ordre ou bien je dois faire ça là d'abord avant de continuer par faire les saisies? Non, peu importe. Le principe, c'est que si vous finissez par exemple ceci, vous allez voir. Normalement, on sait tous que ces genres de questions viennent plus haut, genre viennent au début du formulaire. Mais, on a saisi nos questions, blablabla, tout ça là. On a mis ça en bas. Il suffit simplement de le prendre, de le ramener au début. Vous voyez? Vous cliquez droit. Et vous prenez les 3. Et vous les amenez plus haut. Le département est déjà en haut. Vous pouvez le faire au début, au milieu ou à la fin. Le principe est que vous pouvez le placer là où vous voulez. Vous pouvez le ramener après à la place souhaitée. Je mets ici là au niveau des communes. Et je prends le dernier maintenant, arrondissement. Et je ramène juste en bas de commune. Mais vérifiez quand même que l'ordre y est. C'est-à-dire département, commune, arrondissement, village, province, district, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, je pourrais le faire au début. Mais bon, c'est pour ne pas commencer par vous charger déjà ou bien commencer par tout ça. Bon, je vais voler d'abord avec les questions. Et vers la fin, maintenant, on est revenu sur ça. Ça peut aller. Donc, ça voudrait dire que si je serais. Si. Nous vous recevons faiblement. Nous vous recevons faiblement. Nous vous recevons très, très faiblement. Nous vous recevons très très faiblement, monsieur Eman. Veuillez vérifier votre connexion. Oui. Il y a un appel qui est toujours. Oui, c'est la connexion. Maintenant, ça va. Oui, bon, maintenant c'est bon. Alors? Oui, allô, ça peut aller. Ok, je disais que. Oui. Est-ce que si je veux, si j'ai, par exemple,
et comment l'appelle-t-on, les questionnaires. Est-ce que j'ai la possibilité de sélectionner plusieurs questionnaires et les déplacer ensemble, ou bien je dois les déplacer un à un, un à un, un à un? Ah, ok, je vois. Non, pour le déplacement en groupe, ça ne prend pas. Vous voyez, un à un. Vous voyez, par exemple, si je sélectionne ici, commune, je sélectionne arrondissement, je sélectionne département, et que je veux déplacer, ça vous fait, ça me déplace seulement là où j'ai mis le viseur. Donc, okay. Vous ne pouvez pas sélectionner beaucoup et déplacer, non. D'accord. Maintenant, une dernière chose ici. Vous voyez ici, on a département, commune, arrondissement. Un instant d'abord pour la question. Maintenant, quelqu'un peut dire, bon, moi je vais changer le libellé qui est ici. Je veux mettre ici, choisissez votre département. Par exemple, je peux ajouter la question ici. Choisissez votre département. Et je sauvegarde. Quand il va vouloir faire ça, ça va refuser. Pourquoi? Regardez, je vais visualiser, je vais essayer de visualiser. Vous voyez? Erreur. Pourquoi ça a mis erreur? Quand il me dit choisissez votre département ici, ça a changé automatiquement le name. C'est maintenant les paramètres. Vous voyez? Ça a ajouté aussi choisissez votre dans le name. Ce que je vais faire, j'enlève simplement le choisissez votre là, au niveau de name, et je laisse le département. Parce que c'est le département que ça va prendre pour aller chercher les communes. Donc quand c'est fait, je sauvegarde et je le fais visualiser. Et ça prend. Je le fais visualiser. Et voilà, ça marche. Donc je peux revenir aussi au niveau de arrondissement. Je fais pareil, choisissez votre commune. Dès que je vais ajouter, je vais dans paramètres, je laisse seulement commune dans name. Pareil pour arrondissement, et pareil pour village. Alors, oui, monsieur Eman, la main est toujours levée ou c'est bon déjà? Non, bon, ça peut aller. Comme il y aura la fin des exercices, bon, je vais voir si je peux me rattraper. Merci. D'accord. Oui, monsieur Didier, quoi, allez-y. Oui, c'est pour revenir à la question de monsieur Eman. Oui. Au niveau de la sélection. Oui. Je me disais, est-ce que par exemple, si on maintient la touche contrôle? Oui. Et que on sélectionne, disons, les trois départements communs et arrondissements. Est-ce qu'on parle du patent? Non, ça ne marche pas. C'est ça que j'ai fait. C'est ça que je venais tout juste de faire. Vous voyez? Ah, d'accord. J'ai cliqué au niveau de choisir votre département. C'est cliqué, c'est choisi, c'est sélectionné. J'ai appuyé la touche contrôle. J'ai pris commune. Vous allez voir, c'est tout, les deux sont inscrits en bleu. Il y a comme une couleur bleue façon. Ça vous dit que c'est en sélection. Je mets encore arrondissement. C'est en sélection. Mais dès que je veux déplacer, ça me déplace seulement là où j'ai pris commune. Ah, d'accord. Ça peut aller. Merci. Que je vous en prie. Y a-t-il encore des préoccupations sur la session cascade? Bon, si actuellement vous n'en avez pas, vous pouvez, on a jeudi, vendredi, vous allez vous exercer. Et le samedi, vous allez pouvoir poser assez de questions sur la session cascade. Seulement que si vous appliquez, vous allez voir directement bon, ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait. Et là, vous allez les noter le samedi de 10 à 13 heures. J'ai un peu plus, vous allez poser vos préoccupations. Donc, on va évoluer à l'avant-dernière étape de la session d'aujourd'hui, qui est la restriction. Et quand il parle de restriction, je parle de... En quelque sorte, c'est en quelque sorte l'appurement déjà des données que nous faisons déjà lors de la conception. Vous voyez, avec la collecte numérique, avec la collecte digitalisée, on peut déjà commencer par appurer les données qui est la conception du formulaire. Je suppose par exemple pour le nom, par exemple pour le nom de famille, on veut que ça soit seulement en majuscule. Le numéro de téléphone, on veut que ça soit 8 chiffres, pas plus. L'email, on veut que ça soit bien correct, qui est à haut base, tout ça là. Le prénom, on veut que ça soit, c'est pas en majuscule tout, ou bien la première lettre en minuscule, et en majuscule, pardon, et le reste en minuscule. C'est ça, je parle en disant restriction. Et pour cela, il y a un site pour ça, un site où il y a tout. Donc, je vais partager le lien avec vous, avec celui de cette vidéo.
à la fin de la séance, je vais vous partager le lien du lien d'ici. Je viens ici. Le site doit être quelque part là. Je l'ai ici. Voilà. Vous voyez ici. Restricting test responses with regular expressions. Bon, vous pouvez traduire ça en français. Je ne sais pas si ça marche. Mais bon, ça ne marche pas, c'est quand même pas un problème. Donc, vous venez en bas. Il y a à partir d'ici. Vous voyez ça, mais ici. How I build the requests that I need. En fait, les restrictions, ça on appelle des requests. C'est ça, on dit comment construire des requests que je veux, des requests dont j'ai besoin. Et tout est ici. Donc, vous pouvez parcourir ça. Ce que nous allons étudier ici, je vais venir ici déjà, ici avec vous. Examples related to use of numbers. Ça, c'est les restrictions au niveau des nombres. Vous voyez. Quand je vois ici, ça c'est mes requests, ça c'est la syntaxe ça, que vous allez copier-coller. Description, c'est ce que cela fait. Par exemple, ceci, les deux là, ceci ou bien ceci, c'est pour restreindre le numéro de téléphone à 10 caractères. Restrict mobile number to 10 digits. Parce que quoi, ils ont mis ici 10 dans la parenthèse. Nous, on peut changer ça. Alors là, je copie ceci simplement. Il vous suffit juste de faire des copies-coller. Je copie, je viens ici. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone dans nos questions? Je vais voir. Il n'y en a pas. Je vais ajouter. Je viens ici. Numéro de téléphone. Ajouter. Et je prends un chiffre. Maintenant, je vais dans les paramètres de numéro de téléphone. Critères de validation. Là, je vous explique au niveau de ces deux critères. Il y a ces deux critères différents. Quand on dit le numéro de téléphone ne doit pas dépasser 8 caractères, c'est différent de dire que le numéro. Comment je vais m'exprimer si oh, ça passe bien. Bon, il y a quand même un abonné qui m'avait contacté. Il me disait qu'il a essayé de limiter le niveau de téléphone à 8 caractères. Mais que quand lui insère, par exemple, le chiffre 5, ça refuse. Comment il a fait? Au lieu de venir dans paramétrage manuel, il est venu ici, ajouter une condition. Donc, il a pris ici supérieur. On dit que ça ne doit pas dépasser. Donc, il a pris, ça ne doit pas dépasser. Ça fait inférieur ou égal. Ça ne doit pas dépasser, hein, oui. Ça fait moins de 8, voilà. Ça fait moins de. Ça fait inférieur ou égal à 8. C'est ça qu'il a fait. Quand vous faites comme ça, c'est que ça veut dire que vous limitez le champ à le nombre le plus élevé doit être 8. Vous voyez, c'est différent du nombre de caractères qu'on peut saisir. Donc là, on supprime. Là, ce n'est pas là où nous allons venir. C'est au niveau de critères de validation. Entrez manuellement votre logique. C'est là où nous allons venir ici. Et dans le code de validation, nous allons coller notre code là. Le code est pour dire quoi? J'autorise ce champ d'utiliser les caractères de 0 à 9. Si par exemple je viens au niveau de 0 là, je mets 5, ça veut dire que j'autorise uniquement les chiffres compris de 5 à 9. Donc je mets 0, mais à le 10, c'est pour dire que je limite le nombre de caractères à 10. Pour par exemple le Bénin, le numéro de téléphone c'est à 8 caractères, c'est 8 chiffres. Je vais limiter ça à 8, sauf l'indicatif. Si en temps en haut, si c'est une enquête internationale, on peut demander le pays en haut. Quel est votre pays? La personne choisit. Et en bas, on dit, mais là, quel est votre numéro sans l'indicatif? Ou, si on veut mettre l'indicatif, sous le jour, nous, l'indicatif, c'est 3 chiffres, 229.
Donc, plus le 8, ça nous fait 11. Donc, on peut limiter à 11 avec l'indicatif. Voilà comment ça marche. On peut mettre ici un message d'erreur ici. Vous voyez, on va dire peut-être revérifier le numéro inscrit. Revérifier le numéro inscrit. Donc, si la personne met 9 caractères, 10 caractères, 11 caractères, ça va lui donner ce message-là. Ou bien moins de 8 caractères. Souvent, en étant rapide, on peut saisir 7 chiffres. Ce qui va peut-être vous, bon, si en temps vous voulez appeler les enquêtés, vous ne saurez pas quel est le chiffre qui manque. Vous voyez. On peut sauvegarder. On revient à un autre type. Bon, vous pouvez déjà parcourir tout ça, hein. On ne pourra pas tout utiliser ici. Je viens ici. Example related to use of letters. Ça, c'est pas au niveau des lettres. En haut, c'était des parties numériques. Maintenant, c'est des lettres. Ce premier-là, ce qui est écrit ici, ça signifie quoi? Restrict an input to any lowercase letter. Ça veut dire quoi? Ça limite ce que nous allons saisir là. Seulement pas des lettres minuscules. Seulement pas des lettres minuscules. Avec des caractères d'une longueur de plus de 6 caractères, up to, jusqu'à 6 caractères de long. Le second qui est là, vous voyez, A majuscule, Z majuscule, de 1 à 10. Restrict an input to uppercase, ça, c'est ça, restreint l'entrée en majuscule uniquement. On peut le prendre par exemple comme au niveau de nom de famille. On copie ça. On vient ici. Il y a nom de famille, le nom. On vient dans les paramètres, critères de validation, manuellement, et on copie simplement. De 1 à 10. Bon, s'il y a les noms de famille qui sont assez longs, on peut aller à peut-être 50. Pour qu'on soit sûr qu'il n'y a pas de nom de famille dont le nombre de lettres va dépasser 50. Oui, monsieur Didier, bon, si vous regardez votre question à la fin, ça peut aller. D'accord, merci. Vous avez coupé votre micro. Monsieur, ok, merci beaucoup. Donc, je l'ai copié. J'ai copié pour les majuscules, chez Oasis. Je peux venir encore voir. Lequel je peux encore voir. Par exemple, ici, évolue. Par exemple, ici, ça veut dire restrict an input to of a beneficiary name with the first name, middle name, if any, and the last name. Ça, c'est le premier nom, deuxième nom, troisième nom, ainsi de suite. Voici, c'est bon, on applique. Voilà. Il y a également ici aussi, restrict an input to any letter, or, vous voyez ici, c'est là aussi, figures, tout ça là. Donc, vous pouvez lire, ici, je vous explique ceci. Vous voyez comment c'est écrit ici, figures, épaule, orange, banane et banane. Donc, ça j'insiste, c'est que, dans votre question, vous avez peut-être, je suppose que la question, pour répondre à la question, il faudra mettre un nom. C'est que c'est entre trois noms. Je suppose, par exemple, dans la commune, on a demandé quels sont les fruits que vous plantiez ou bien que vous vendez le plus. Et on sait que c'est seulement trois fruits qui sont là, à savoir épaule, orange et banane. Vous pouvez mettre ces conditions-là dans la question. Donc, quelqu'un va saisir, par exemple, avocat, ça va refuser. Parce que lui, s'attend à recevoir ces trois modalités-là, épaule, orange, banane. C'est trois que lui veut voir. Vous mettez l'un des trois fruits, la question sera acceptée. Donc, vous pouvez déjà parcourir, prendre connaissance de tout ça, pour voir de quoi vous avez besoin dans vos différentes activités. Voilà. Ici, maintenant, on a pour les emails. Exemple related to the reception of valid email input. Donc, voilà pour les emails. Ça là ou bien ça là. Bon, moi, je peux prendre
le second ici. Et mettre ça. Bon, j'ai pas mis une question, mais s'il y avait une, si j'en avais, j'allais mettre. Donc voilà, je commence à marcher. Alors je viens ici, je sauvegarde et je visualise. Vous allez voir pour le niveau de téléphone et pour le nom de famille. Si je vais essayer de mettre en minuscule le nom de famille, vous allez voir ce que ça va donner. Vous voyez, les départements sont venus en haut. Donc je viens ici, le nom de famille. Je mets par exemple, je le mets en majuscule. Je mets Mohamed, je valide, rien. Et celui que j'enlève, je mets le reste en minuscule. Voilà, non autorisé. Donc ça ne prend que valeur majuscule. C'est bon. Numéro de téléphone. Je mets par exemple 2-2-2-2-2-2-2-2. Ça fait 8 caractères. Je valide, c'est bon. Dès que j'enlève 1, je valide, ça refuse. Revérifiez le numéro inscrit. Voilà un peu les différentes restrictions qu'on peut faire. Maintenant, par rapport au code de couleur. Au code de couleur, je vais vous envoyer aussi un exemple. Là, vous allez pouvoir saisir. Par le code de couleur, c'est bien ça ici. Je vais vous envoyer un exemple, vous allez pouvoir saisir ça. Bon, je vais d'abord vous montrer comment ça marche. Ouais, le code de couleur ici. Comment on écrit le code de couleur? Je vais agrandir, vous allez bien voir. Voilà comment ça marche. Vous voyez? Vous enlevez la barre de inférieur, le signe d'inférieur. Vous mettez span, style, égal. Vous ouvrez les griffes, color, deux points. Ici, ça c'est le nom de la couleur que vous voulez. Et les couleurs sont en anglais, les noms sont en anglais. Si vous mettez rouge, ça va pas reconnaître. Si vous mettez noir, ça va reconnaître. Black au lieu de noir. Red au lieu de rouge. Green au lieu de vert. White au lieu de blanc, ainsi de suite. Donc, vous voyez, ça c'est la couleur. Vous fermez les griffes et vous fermez ce que vous avez ouvert ici. Le signe de supérieur et inférieur. Maintenant, entre ces deux-là, c'est-à-dire ici, là, vous avez sélectionné là, c'est le test que vous voulez mettre en couleur qui reste au milieu. Dès que vous finissez de mettre le test ici, vous ouvrez encore une accolade et le symbole ici, slash, span, et vous fermez. C'est pour dire quoi? Les couleurs s'arrêtent là. Si je suppose que j'avais un test ici, par exemple, j'ai Mohamed ici, et j'ai Fadel ici. C'est le Mohamed seul qui sera en couleur. Parce que ceci là, ça marque le début, ça dit bon, voilà la couleur que je veux. Et le test qui suit sera en couleur. Maintenant, ce truc-là, ça vient arrêter la fin de la couleur. Pour dire que les couleurs vont s'arrêter là. Donc, les tests qui viennent après ce mot-là, cette expression-là, ne seront plus en couleur. Donc, voilà un peu comment ça marche. Donc, je vais réduire ça et aller coller ça là-bas. Vous allez voir comment ça marche. Je copie. Je viens ici, là j'ai mis nom, je le colle. Là où il y a Mohamed, je remplace Mohamed par le nom ici, dollar, accolade, nom. C'est que je veux le nom là soit en couleur. Maintenant, couleur, au lieu de couleur rouge, je peux prendre couleur verte par exemple. Je fasse red et je mets green. Bon, à majuscule, ça prend hein, green. Une fois ceci fait, je copie donc tout maintenant. Je vais remplacer maintenant dans les autres. On va faire un exemple ici. Vous voyez ici, j'ai mis H2. Dans le nom, span. J'ai fait le span et le prénom est devant. Vous allez voir, le nom sera en couleur, mais le prénom ne sera pas en couleur. Je fais pareil ici. Je fais pareil ici. Une fois que c'est bon, voilà, je sauvegarde.
Maintenant, je peux venir ici. Vous voyez, le test qui est en haut. Merci de nous aider à remplir ce formulaire. Je peux aussi mettre ça en couleur. Pourquoi pas? Je colle mon code là et je coupe le merci là d'ici. Je l'enlève ici et je viens au milieu là. J'enlève le accolade, nom, voilà, et je colle lui à l'intérieur. Je vais changer la couleur green en, par exemple, blue. Pour dire, je veux ça en bleu. Plus encore, au niveau de la question nom, je veux que le nom soit en majuscule. Je peux donner une instruction à l'agent enquêteur pour dire, saisissez le nom en caractère d'imprimerie. Là où c'est mis ici, indice de question. C'est là où on met ça. Une autre, un indice, quelque chose pour guider l'enquêteur. Alors, ce que je vais faire, je vais coller encore mon code là. Je colle le code de couleur. Ça ne marche pas, j'enlève. Je viens, je copie ça ici. Je viens ici, indice. Là, il y a indice de question, c'est là où on met ça. Là, j'enlève le nom. Je mets quoi? Je mets le test. Saisissez le nom, je peux dire en majuscule. Voilà. Maintenant, au lieu de mettre la couleur bleue, la couleur verte, je vais mettre ça en rouge. Red. Vu que c'est quelque chose d'indice, il faut que ça frappe, il faut que l'agent puisse voir ça rapidement. Donc, j'enregistre et on visualise voir à quoi cela ressemble. Vous voyez déjà, merci de nous aider à remplir ce formulaire. C'est venu en bleu. Vous voyez ici, saisissez le nom en majuscule, c'est en rouge. Le nom de famille. Je saisis le nom de famille, Mohamed. Je valide. Vous voyez, c'est en vert. Le nom de famille est en vert. J'avais mis la couleur green. Je mets Abdul comme prénom. Vous voyez, Abdul. Vous voyez, le Abdul n'est pas à couleur. Parce que après le span, qu'on a arrêté la couleur, Abdul vient après. Donc, le code ne le prend pas en compte dans la couleur. Pour tout le reste. Donc, voilà un peu ce que je souhaitais partager avec vous pour la séance d'aujourd'hui. Alors, vous allez prendre le temps de vous exercer. Samedi, on va voir comment paramétrer l'application Kobo Collect. Et aussi comment partager les formulaires. Je pense bien. Et aussi comment joindre Kobo Collect à Excel ou Kobo Collect à Power BI. C'est ça, la dernière séance de Power BI le week-end. Et la semaine prochaine, nous allons avec CS Pro. Pour CS Pro, ça ira lentement. Parce que Kobo CS Pro, je pense que bon, ça va être nouveau pour beaucoup de personnes. Et comparativement à Kobo. Et là, il y a beaucoup de programmation que nous devons faire pour la logique, les validations et autres. Donc, c'est très, très, on ira lentement avec CS Pro. Donc, vous avez la parole. Oui, Eman. Merci beaucoup. Et je pense que j'étais déconnecté par faute de connexion. Et puis, je me suis reconnecté. J'ai vu que vous étiez en train de parler de requêtes et de formules. Mais bon, je n'ai pas pu suivre par où vous avez pris requêtes là-bas. Oui, regarde, j'ai dit que c'est un site. Ouais, c'est un site ici. Je vous envoie le lien par mail. C'est cliquer pour avoir accès à tout ça. Je vais vous envoyer le lien par mail. Il suffit de cliquer sur le lien et vous avez et la page, toute la page viendra. Et je disais, bon, je ne sais pas si on peut faire le translate en français. Si c'est possible, vous le faites. Pour pouvoir mieux comprendre. Voilà. Ok. Y a-t-il d'autres préoccupations, d'autres questions? Bon, s'il n'y a pas de questions, je pense que ça peut aller. Oui, Didier. Ah oui, vous avez des questions. Oui, non. La première question a été déjà répondue. C'était au niveau du lien de la discussion. D'accord. Et deux,
Et je voulais savoir, est-ce qu'on va déployer tout ça sur, par exemple, sur les cas et tout ça? Oui, c'est ça, sera ça, nous allons faire le samedi. Comment déployer ça sur les Odo Collect ou bien Odega Collect? Les deux font la même chose. D'accord. Merci beaucoup. D'accord. Oui, monsieur Bokolo, allez-y. Oui, au fait, bonsoir. Ma question portait essentiellement sur le fait que nous puissions travailler sur. On a travaillé aujourd'hui, on a vu les couleurs. Ben, je souhaiterais aussi qu'on puisse voir une petite partie de la logique du questionnaire sur Kobo Collect. Dans la mesure où on ait des sauts, qu'on mette un peu des sauts. Si le samedi on pourrait faire ça, ça pourrait aussi nous aider. Avant d'entrer sur CSPO. D'accord, il n'y a pas de problème. Bon, le CSPO, ce n'est pas samedi, hein, c'est le lundi prochain. Oui, c'est ça. D'accord. Alors, le samedi, comme vous l'avez dit, rappelez-moi ça en début de séance du samedi. Je vais aborder ça avant d'évoluer. Oui, monsieur Herman, vous avez des questions? Et donc, quand je voudrais rentrer peut-être pas sur ce qu'on s'est connecté, par rapport au tableau d'appréciation. Je vous vois. Sincèrement, pas géant. Nous vous recevons faiblement. Oui, je disais que ma première préoccupation lorsque concernant l'exercice de maison, oui. Où il y avait un tableau d'appréciation, et on devrait faire des commentaires par rapport au non satisfait. Sincèrement, j'ai repris, mais je n'ai pas parvenu à réussir ce que vous avez fait, quoi. Je ne sais pas si vous allez me reprendre ça en 2 secondes. Oui, au niveau de quoi déjà? Dans le tableau. Oui, là où on avait fait appréciation, satisfait, très satisfait et pas du tout satisfait, où on doit donner des explications pourquoi par thématique. Oui. Oui, en fait, ce que j'avais dit, c'est quoi? Vous voyez, quand j'avais voulu visualiser ça, j'avais refusé. Quand on a fait la session cascade, et il y avait un problème qui persistait. Et j'ai dû soulever une question. C'est la question que j'avais ajouté ça. Ça fait partie des insuffisances de Kobo Collect. Vous voyez, c'est un tableau, une matrice, où on a la ligne, les colonnes. Maintenant, si, par exemple, là, ils ont dit, si pas très bon, pourquoi? J'avais montré un exemple. Et c'est vrai que l'exemple n'a pas marché, parce que ça nous empêchait d'évoluer. Et j'ai supprimé cette question. C'est ça que j'avais dit au début, j'ai dit, ce que j'aurais bon de faire, ce que serait le mieux, c'est d'ajouter une question. Si, par exemple, vous avez 3 marques, disons 3 activités, le temps d'attente, l'accueil, par exemple, les 2, le produit acheté, ça fait 3. Vous mettez tout juste en bas pour les 3 questions. Pourquoi si temps d'attente pas bon? Pourquoi si produit pas bon? Pourquoi si accueil pas bon? Vous pouvez pas mettre une logique à ce niveau, étant donné que le tableau n'est pas des options. C'est les options qu'on prend. On va en dire si la question est temps. Alors, donne-nous ça. Vous voyez, mais quand on va dire comme ce que je visais, j'avais fait, quand on va dire, malgré que c'est une matrice, on veut mettre les sauts pour que ça puisse marcher, vous allez faire, mais vous ne pouvez pas déployer. En voulant déployer, ça va dire erreur. Comme ça, il dit, ça n'avait pas remplacé, quoi. Vous aurez la même erreur. Donc, le mieux, c'est d'ajouter des questions, pourquoi, qui ne sont pas liées. D'accord. Ceci étant, je vous remercie beaucoup pour la séance d'aujourd'hui. Merci à tous d'être présents. Donc, continuez toujours à faire l'exercice. Ça va beaucoup vous aider. Là, vous aurez des questions le samedi avant qu'on les démarre les parties restantes. Voilà. Donc, merci à tous et agréable soirée à chacun.